Et maintenant, eh bien, nous allons retrouver, ou plutôt faire la connaissance d'un garçon qui n'est encore jamais passé à la télévision. Il est corse, il s'appelle Don Zella, il nous interprète le pêcheur de l'onde. Eh bien, voilà un pêcheur qui, ma foi, est un pêcheur très moderne. J'ai bien regardé dans le torrent pendant que Don Zella chantait. J'ai bien regardé s'il y avait des poissons, mais j'ai l'impression qu'ils s'étaient sauvés. Ils ne connaissent peut-être pas encore les rythmes modernes de rock'n'roll. Moi, là, je fais un petit peu d'escalade. J'espère que je vais y arriver. Je voudrais bien rejoindre Don Zella pour bavarder un petit peu avec lui. Non pas en corse, mais en français. Comme ça, je comprendrai beaucoup mieux. Et je vous avoue que lorsqu'on se trouve dans une aussi jolie région que celle-ci, en particulier dans cette Corse de l'intérieur, la vallée de la Restonica, on a presque envie de devenir berger également. Don Zella, est-ce que cette chanson est une chanson du folklore corse ou est-ce que c'est une chanson tout à fait originale que tu as composée? Bon, c'est un vieux thème corse que oui. J'ai arrangé en rock'n'roll. Oui, très rock'n'roll. Très. C'est le premier corse rock'n'roll que je rencontre. Il y en aura certainement d'autres. Il y en aura d'autres. En tout cas, Don Zella, tu habites à Paris. Pas toujours. Pas toujours. Tu te partages entre la Corse. Ajaccio et Paris. Toi, tu es d'Ajaccio. Oui, mais depuis que j'ai fait le disque, je suis très souvent à Paris. Et oui, bien sûr. Mais tu as l'intention de t'établir sur le continent? Non. Ou de rester chez toi, dans ta belle Corse? C'est trop difficile de rester à Paris. Est-ce que tu as toujours eu envie de chanter? Oui, ça fait 10 ans que je fais ce métier.
10 ans ? Oui. Et tu as quel âge ? 30 ans. 30 ans, tu as commencé à 20 ans, et avant qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais du rock'n'roll dans des groupes. Ah bon, tu as toujours chanté ? Oui. Tu ne t'es jamais intéressé à la nature de la Corse ? Si. Tu as fait un petit peu le berger ? Non, mais je suis photographe, donc la nature de la Corse, je la vois à travers mon objectif. Très bien, et bien là, on a vu la nature de la Corse et en même temps ton visage à travers l'objectif de la caméra de Midi Première et de Jacques Pierre.